Bonjour tout le monde, me voici de retour et cette fois-ci pour lire L'apprenti épouvanteur. Je me suis dit qu'il était peut-être temps que je me prenne à la lecture de, de vrais romans. Donc voici celui-ci écrit par Joseph Delaney et édité ici par Bayard Jeunesse. Donc tout leur appartient comme d'habitude, rien n'est à moi. Alors voici l'introduction. Le point le plus élevé du comté est marqué par un mystère. On dit qu'un homme a trouvé la mort à cet endroit, au cours d'une violente tempête, alors qu'il tentait d'entraver une créature maléfique menaçant la terre entière. Vint alors un nouvel âge de glace. Quand il s'acheva, tout avait changé, même la forme des collines et le nom des villes dans les vallées. À présent, sur ce plus haut sommet des collines, il ne reste aucune trace de ce qui y fut accompli il y a si longtemps. Mais on en garde la mémoire. On l'appelle la Pierre d'Eward. Bon je me suis dit que j'allais pas être aussi sadique que Daploc. Du coup, je vais quand même dans la foulée vous faire le chapitre 1 de l'épouvanteur, l'apprenti épouvanteur. Ce chapitre 1 qui se nomme Un septième fils. Lorsque l'épouvanteur se présenta, le jour commençait à baisser. Une longue et dure journée de travail s'achevait. Et je m'apprêtais à souper. Vous êtes bien sûr que c'est un septième fils demanda-t-il en m'examinant d'un air dubitatif. Papa, qui est ça Et vous étiez vous-même un septième fils Papa hocha de nouveau la tête et se mit à danser nerveusement d'un pied sur l'autre, éclaboussant mon pantalon de boue et de purin. Sa casquette trempée. Dégouliné, la pluie n'avait pratiquement pas cessé depuis un mois. Les arbres commençaient à bourgeonner, mais le printemps tardait à venir. Mon père était fermier, comme son père avant lui. Et le premier souci d'un fermier est de conserver ses terres. Pas question de les partager entre ses enfants. Les parcelles se réduiraient à chaque génération jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Un père lègue donc sa ferme à son fils aîné et place les autres, en leur trouvant autant que possible, un bon métier. Mieux vaut donc être bien vu du voisinage. Si on possède une grosse ferme et qu'on est confié au forgeron de nombreux travaux, il accepte parfois un apprenti. Cela fait déjà un fils de casé. J'étais le septième enfant et toutes les possibilités avaient été épuisées. En désespoir de cause, papa envisageait de m'envoyer comme apprenti auprès de l'épouvanteur. C'était du moins ce que je croyais comprendre. J'aurais dû me douter que maman était derrière tout ça. Maman était derrière beaucoup de choses. Longtemps avant ma naissance, c'était son argent qui avait payé notre ferme. Comment mon père, un septième fils, aurait il pu se permettre une telle dépense? Maman n'était pas d'ici elle venait d'un pays au delà de la mer, et, en l'écoutant attentivement, on remarquait sa façon particulière de prononcer certains mots. N'allez pas imaginer qu'on voulait me vendre comme esclave ou quelque chose de ce genre. J'en avais plus qu'assez des travaux de la ferme, de toute façon. Et ce que les gens ici appelaient la ville n'était qu'un hameau perdu au milieu de nulle part. Je n'avais donc aucune envie d'y passer le reste de mes jours. Donc, dans un sens, je ne détestais pas l'idée de devenir épouvanteur. C'était probablement plus intéressant que de traire les vaches et d'épandre le fumier. Seulement, ce n'était guère rassurant. Je devrais apprendre à protéger les fermes et les villages de créatures qui surgissent à la faveur de la nuit. Affronter goules, démons et autres monstruosités serait mon lot quotidien. Car telle était la tâche de l'épouvanteur. Et j'allais, semblait-il, devenir son apprenti. Quel âge a t-il? demanda l'épouvanteur. Il aura bientôt ses treize ans en août. Pas bien grand pour son âge. Il sait lire et écrire? Oui, répondit papa. Il connaît même le grec, sa mère le lui a enseigné, et il le parlait quasiment avant de savoir marcher. L'épouvanteur hocha la tête et se tourna vers la maison, au bout de l'allée boueuse comme s'il avait entendu quelque chose. Puis, haussant les épaules, il déclara. Ce n'est pas une vie facile pour un homme, alors pour un gamin. Vous pensez qu'il en sera capable Il est fort, et il sera plus grand que moi quand il aura achevé sa croissance, affirma mon père en se redressant de toute sa taille. Même ainsi le sommet de son crâne arrivait tout juste à la hauteur du menton de l'épouvanteur. Soudain celui ci sourit. Je ne m'y attendais pas. Son large visage semblait taillé dans la pierre, et jusqu'à cet instant il m'avait paru redoutable. Son long manteau noir à capuche lui donnait l'allure d'un prêtre. Mais quand il vous regardait en face, son expression sinistre évoquait plutôt celle du bourreau prêt à vous passer la corde au cou. Les mèches de cheveux qui s'échappaient du capuchon étaient du même gris que sa barbe, tandis que ses sourcils, broussailleux, étaient noirs, et noirs les touffes de poils sortant de ses narines. Il avait les yeux verts, comme moi. Je notai alors un détail intéressant. Il tenait un long bâton. Ça, bien sûr, je l'avais vu dès son arrivée mais je venais seulement de remarquer qu'il le tenait de la main gauche. Était il gaucher, lui aussi? Cette particularité m'avait causé des ennuis sans fin à l'école du village. On avait même eu recours au curé de la paroisse qui m'avait longuement examiné en me répétant avec force soupir qu'il me faudrait combattre ce défaut avant qu'il ne soit trop tard. Je ne savais pas ce qu'il entendait par là. Ni mon père, ni mes frères n'étaient gauchers. Ma mère, il est vrai, était plutôt maladroite, mais ça ne la souciait guère. Lorsque le maître avait menacé de combattre cette mauvaise habitude en attachant mon crayon à ma main droite, elle m'avait retiré de l'école et m'avait fait la classe elle même à la maison. Combien vous dois je pour son apprentissage demanda papa, coupant le fil de mes pensées. On passait aux choses sérieuses. Deux guinées pour le mois. S'il me convient, je reviendrai à l'automne. Et vous me paierez dix autres guinées. Sinon, je vous le renverrai, et ne vous compterai qu'une guinée de plus. En dédommagement. Papa opina. Le marché était conclu. Nous entrâmes dans la grange, et papa remit à l'épouvanteur la somme convenue. Ils n'échangèrent pas de poignée de main. Personne ne voudrait toucher un épouvanteur. Mon père se comportait bravement. Tout en se tenant à six pieds de distance de notre visiteur. J'ai affaire dans les environs, dit l'épouvanteur. Je repasserai chercher le garçon aux premières lueurs du jour. Assurez-vous qu'il soit prêt, je n'aime pas attendre. Dès qu'il se fut éloigné, papa me tapa sur l'épaule. C'est une nouvelle vie qui commence, fils. Va te laver, tu n'es plus un fermier désormais. Quand j'entrais dans la cuisine, mon frère, Jack, tenait sa femme, Ellie, par la taille. Et elle le regardait en souriant. J'aime beaucoup Ellie. Elle est chaleureuse, attentive et amicale. Maman dit qu'épouser Ellie a été une bonne chose pour Jack. Elle a le don d'apaiser sa nervosité. Jack est l'aîné et le plus grand de nous tous. Papa prétend, en blaguant, que c'est le moins laid de la portée je ne suis pas d'accord c'est vrai que jack est bien charpenté il a des yeux bleus et un air de bonne santé mais ses vilains sourcils broussailleux se rejoignent au-dessus du nez je dois cependant reconnaître qu'il a su séduire une gentille et jolie femme les cheveux d'élie ont la couleur de la paille trois jours après la moisson et sa peau irradie à la lumière des chandelles je pars demain matin, lâchais je L'épouvanteur vient me chercher à la première heure. Le visage d'Elie s'éclaira. Il a accepté de te prendre. Je hochai la tête. Il m'accorde un mois d'essai. C'est merveilleux, Tom. Je suis vraiment contente pour toi. Je n'y crois pas, s'esclaffa Jack. Apprenti d'un épouvanteur. Toi qui ne peux pas t'endormir sans laisser ta chandelle allumée Je ris, mais il avait touché juste. Il m'arrive de voir des choses dans le noir, et un peu de lumière est le seul moyen de les tenir à l'écart si je veux trouver le sommeil. Mon frère vint vers moi, me ceintura et me traîna autour de la table de la cuisine en poussant des rugissements. C'est sa façon de manifester son enthousiasme. Je lui opposais juste assez de résistance pour qu'il soit content. Et il finit par me libérer en me tapotant le dos. Bravo, Tom Avec un boulot pareil, ta fortune est assurée. Il y a juste un petit problème. L lequel demandai-je. Tu dépenseras chaque penny gagné. Tu sais pourquoi Non. Parce que tes seuls amis seront ceux que t'achèteras. Je haussai les épaules. Pourtant il y avait du vrai dans ces paroles. Un épouvanteur travaille et vit seul. Voyons, Jack, se fâcha Ellie, ne sois pas méchant comme ça. Je blaguais, se défendit mon frère, visiblement étonné que sa femme fasse une histoire pour si peu. Ellie se tourna vers moi. Et je vis son visage s'attrister soudain. Oh, Tom, tu ne seras pas là pour la naissance de notre bébé. Elle paraissait si déçue que je me sentis tout malheureux à l'idée de ne pas voir ma petite-nièce. Maman avait prédit que l'enfant serait une fille, et elle ne se trompait jamais. Je reviendrai à la maison dès que possible, promis-je. Ellie s'efforça de sourire, et Jack passa un bras autour de mes épaules. Tu pourras toujours compter sur la famille, Tom. Nous serons là si tu as besoin de nous. Une heure plus tard, je m'assis à table pour souper, sachant qu'au matin je serais parti. Papa récita la